Et forcément, parce que je ne sais pas quand c'était, mais une église baptiste apprend qu'à côté, le propriétaire d'un bar, d'un restaurant, je ne sais pas exactement ce que c'était, ça ne devait pas être trop, un peu mal famé probablement, décide de transformer son bar, de le rénover, de le restaurer et d'en faire quelque chose de plus grand, de meilleur, et l'église lance une pétition et se met surtout à prier contre ce projet. Et le propriétaire du bar lance les transformations. Les transformations arrivent à leur terme. Et quelques jours avant l'inauguration, il y a un terrible orage. Et la foudre tombe sur ce nouveau bâtiment. Il met le feu et le bâtiment est détruit. Amen. Et là, le tenancier, le propriétaire du bar, décide de se retourner contre l'Église. Et donc, il porte plainte contre l'Église. L'Église, elle, se défend. Forcément, elle n'a rien fait. Et lui porte plainte contre l'Église, qui a agi directement, indirectement, mais quand même a agi. Et le juge, lors de l'audience, dit ceci. Je ne sais pas quoi faire. Je me trouve devant un tenancier de bar, plus ou moins bien malfamé, qui croit en la puissance de la prière, et devant une église qui ne croit pas en la puissance de la prière. Après, l'histoire ne raconte pas comment ça s'est résolu, cette affaire. Ce que j'aimerais dire par cet exemple, c'est que on est là dans l'esprit religieux, de personnes qui croient en la prière, mais qui l'orientent dans une mauvaise direction. Et je crois que Dieu nous appelle, alors qu'on réfléchit depuis dimanche dernier à l'après-Covid, l'Église après-Covid, elle va où? Nous sommes qui? Qu'est-ce qu'il en reste, ici ou ailleurs? Et j'aimerais lire avec vous un texte dans Jérémie 33, qui va nous donner vraiment une perspective d'espérance. Et on croit vraiment à la puissance de la prière. Mais on croit à la puissance de la prière avec une juste motivation, une motivation que Dieu veut nous donner. Et ce n'est pas nouveau ce que je vais dire ce matin, mais c'est rappeler des vérités que Dieu nous a données dans l'image que Dieu nous a donnée du futur, mais aussi de la vision qu'il nous donne. Et dans Jérémie 33, j'avais déjà prêché sur Jérémie il y a quelque temps. Vous savez, Jérémie, si vous êtes psychologue ou thérapeute ou dans la relation d'aide, comme certains ici, et quelqu'un en déprime, en dépression, vous n'allez pas lui faire lire Jérémie, mais plutôt les psaumes. C'est un prophète de malheur, ce Jérémie, dans un sens. Mais dans Jérémie 33, il est dit simplement que l'Éternel lui adressa à Jérémie une deuxième fois la parole, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Alors ça, c'est déjà intéressant. On dit, Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous parle tous les jours. Jérémie, le grand prophète, Dieu lui parle deux fois. Toute cette période où il est emprisonné. Donc déjà, ça doit nous rendre humbles. Alors, je ne dis pas que Dieu ne nous parle pas tous les jours par sa parole, par des impressions. Mais je ne suis pas sûr que Dieu nous parle tous les jours concernant les grandes directions de nos vies. Au contraire, j'ai l'impression que c'est un processus. Dieu établit des choses qui évoluent. Dieu collabore avec notre intelligence, avec notre passé, avec notre être intérieur. Beaucoup cherchent des réponses, moi aussi. On cherche des révélations de Dieu, on cherche une réponse claire. Alors, quand on découvre le Seigneur, qu'on est au début de sa foi, il n'y a aucun souci avec ça. Mais quand on avance avec Dieu, souvent, ce n'est pas comme ça que ça marche. Peut-être c'est comme Jérémie, puis Dieu nous parle deux fois. C'est un peu embêtant, mais en attendant, Jérémie a dû vivre, et pourtant c'est un prophète rempli du Saint-Esprit. Enfin bon, c'était juste une anecdote, pas une anecdote, mais une petite parenthèse, pour vous rassurer, si Dieu ne vous parle pas tous les jours, c'est peut-être normal finalement. Voici que l'Éternel donc lui dit, « Fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes, inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Ça c'est encore avant le verset 6. « Fais appel à moi. » Et c'est comme ça que les prophètes, nous dit l'apôtre Pierre, recevaient leurs paroles prophétiques aussi. C'est pas que ça leur tombait dessus,
par inadvertance, c'est aussi qu'il cherchait des réponses face aux situations dans lesquelles ils étaient. Et là, c'est légitime, c'est juste. Il a cherché Dieu. Et Dieu lui dit, mais continue à chercher, je vais te répondre. Et cette fois-ci, tu vas recevoir des paroles qui vont dans un sens inverse. La ville est quasiment détruite. Elle est sur le point d'être entièrement détruite. Le peuple entièrement déporté. Mais j'ai une parole. Alors au verset 6, bon, je vais lire avec vous sur les écrans. Il leur dit, cependant, il parle de la ville de Jérusalem. Cependant, je vais donner à la ville de Jérusalem la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Je ramènerai les déportés de Juda et d'Israël et je leur rendrai leurs conditions passées. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite, celle par laquelle ils ont péché contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes, celles par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre moi. Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance, elle sera ma gloire, elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. Voici ce que dit l'Éternel. On entendra encore dans cet endroit que vous présentez comme un désert, sans hommes ni bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, dépourvues d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance, de joie, des chants du fiancé et de la fiancée. On entendra la voix de ceux qui disent « Célébrez l'Éternel, le maître de l'univers, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement, la voix de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. » En effet, on va arrêter ici, je ramènerai les déportés du pays pour qu'ils retrouvent leurs conditions passées. Et ça, c'est une promesse, plusieurs ont reçu. On a eu des temps vraiment bénis aussi, les dimanches à 17h, on était peu nombreux, mais Dieu nous a encouragés, Dieu nous a parlé encore dimanche dernier. Il y a vraiment une pensée du Seigneur que Dieu nous restaure. Maintenant, oh, moi je dirais le Covid, c'est à la fois diabolique et permis de Dieu. C'est à la fois satanique, parce que, pourquoi pas, j'entends c'est satanique quand on a quelque chose qui détruit les vies humaines et les mène à la mort, d'une certaine façon. Bon, c'est une explication biologique, évidemment, là derrière aussi. Mais il y a quelque chose de diabolique. Et puis en même temps, c'est permis de Dieu, c'est entre les mains de Dieu. C'est une réalité qui nous échappe d'une certaine façon. C'est toujours un peu des deux dans ces choses-là, probablement. Ce n'est pas seulement l'un ou l'autre. Et donc Dieu nous apprend des choses. Et l'Église, après Covid, quelle sera-t-elle? Et là, je parle au sens général dans un premier temps, parce que c'est une question que se pose beaucoup. Qu'est-ce qui aura été ébranlé? Qu'est-ce qui ne sera plus comme avant? Qu'est-ce qui, au contraire, sera restauré? En tous les cas, Dieu restaure. La première promesse, c'est que Dieu guérit. Amen. Dieu guérit. Je vais lui donner la guérison et la santé. Alors ça me fait du bien. Mais on en parlait, on a eu un petit week-end d'équipe élargie. On était 7-8, donc l'équipe pastorale élargie, avec l'un ou l'autre conjoint qui nous rejoint, donc on a eu des bons temps et on partageait sur la question de la foi. La foi, c'est prier pour un malade. Je prie pour un malade avec foi et Dieu le guérit. Ça, c'est la foi. La foi, c'est je prie pour un malade et il n'est pas guéri. Mais c'est aussi la foi. En fait, c'est la foi dans ce qui suit. Parce que ce n'est pas l'un ou l'autre. On ne veut pas être une église qui prêche que l'un ou que l'autre. Que la persévérance dans la souffrance jusque dans l'éternité ou que l'exaucement toujours et tout de suite. On a été faussé par une génération de l'instantané, une génération micro-ondes. J'ai appris qu'à New York, vous avez Wall Street, j'ai fait quelques pas par là, ce n'est pas très impressionnant quand on est à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous avez la bourse de New York. Pour ceux qui, les institutions financières les plus puissantes, elles ont tout intérêt à être le plus proche possible de là où ça se décide. Pour que la distance de communication par fibre optique, j'imagine, soit la plus courte possible, alors que c'est déjà à la vitesse de la lumière. Mais j'imagine que chaque millionième de seconde compte dans les marchés financiers. On est dans l'instantané quasi absolu. La société, on pourrait dire micro-ondes. C'est rapide, c'est efficace.
Et donc, on oublie la dimension du temps. Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous faire comprendre que la foi est d'une autre dimension. Amen, Dieu veut exaucer, on va prier. Ah, il se passe des choses intéressantes sur la vidéo. Cool. Ah, mais c'est Kevin. C'est Ronan. C'est Enoch. Ah. Il est où, Enoch? Il est où? Ah. T'écoutes le message? Cool. Pendant qu'il s'amuse. Non, Enoch, il est incroyable. Il invite un monde pas possible. Alors, à l'église, et c'est un joueur de foot incroyable aussi. Après, je crois qu'il a arrêté, mais il y avait une belle carrière devant lui. Ah oui, Antoine aussi. Il y a une belle équipe là-haut. Et puis, il y a Ronaldo. Et Kevin Costner, ouais. Oui, oui, donc en fait, pour moi, la question c'est vraiment la foi. On avait plein de défis ces derniers temps, il y en a parfois plusieurs la même semaine. Et Cyril me disait, on a un souci, les travaux sont terminés, on doit clore tout le dossier aussi avec la banque, il y a un souci avec l'électricien. L'électricien, ça se dit comme ça, mais en réalité c'est une entreprise d'électricité. Et tout à coup, on nous annonce, on s'y attendait un peu, on avait toujours dit à l'architecte, dites-nous assez tôt s'il y a des changements. On ne nous a rien dit, on le pressentait, on va se battre contre, mais il y a un dépassement de quelques dizaines de milliers de francs. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, mais on en a tellement vu qu'on ne va plus. Et on prie et on fait confiance au Seigneur. Mais on avait rendez-vous avec le banquier, jeudi matin, je crois que c'était jeudi matin, et ça se passe bien. Puis à un moment donné, je lui ai dit, mais parce qu'on doit fixer les nouveaux taux, à la fois pour la nouvelle tranche, enfin deux ou trois tranches. Et puis je dis, mais vous pouvez faire un effort. Puis là, je sens que quand même, il se dit, mais ce monsieur Favre, qu'est-ce qu'il imagine? Il n'a rien compris. Alors il me dit, je l'entends penser. Et puis il me dit, mais monsieur, vous savez donc que les taux sont excessivement bas. On n'a pas de marge, on n'a pas de possibilité. Tout au plus, peut-être 0,01 ou 0,02%. Alors moi, j'ai mon fichier Excel, je sens que c'est rien, effectivement, 500 francs d'économie par année. Non. Et vous savez, juste en passant, cette fois-ci, on ne l'a pas dit, mais on l'a souvent dit, enfin, disons, on l'a suggéré, mais moi, je leur dis toujours, je disais, mais ce n'est pas pour nous qu'on se bat, ce n'est pas pour moi. Mais au centre de vie, on a des personnes, mettons quelqu'un qui a la retraite, qui a peu pour vivre, mais qui donne sa dîme. 250 francs par mois, 200 francs par mois régulièrement, voire plus. On a un étudiant, des étudiants qui donnent leur dîme. Ils n'ont pas beaucoup, ils ont de l'argent de poche, peut-être des parents. D'autres vont travailler pour compléter. Ils vont travailler à McDo. Peut-être qu'ils vont donner leur dîme. Je leur dis, c'est ça l'église du centre de vie. Il n'y a pas des grands donateurs, il n'y a pas de soutien de l'État. Les gens qui permettent au centre de vie d'avancer, c'est des gens fidèles comme ça. Donc nous, si je me défends et me bats, c'est parce que je sais qu'on a des gens qui s'impliquent pour le projet du Seigneur. Avec tout ce que ça engage aussi de bénédiction pour la ville. Puis alors là, ils nous regardent. Puis j'attends. De toute façon, qu'est-ce qu'on veut faire? Aller dans une autre banque, on ne vous prendra pas. Ben, c'est trop compliqué. Donc je dis rien. Je dis, alors j'ai peut-être une solution. Alors, il nous propose une solution qui est légale, mais compliquée pour lui et pour la banque. Je vous passe les détails, puis moi j'ai rempli mon fichier Excel. 5 000 francs par année. Fois 5, 25 000. Là, on s'est dit, bon, ok, merci monsieur, puis on est reparti. Donc, ça vient juste nous aider par rapport à l'autre mauvaise nouvelle qu'on venait d'avoir. Et ce qu'on apprend à faire, c'est que, ce qui ne veut pas dire par rapport à l'autre mauvaise nouvelle, on ne va pas se défendre aussi, mais ça veut dire que c'est des montants importants qui peuvent nous mettre sous pression. Vous l'avez vous-même dans vos familles. Selon la foi que Dieu vous a donnée, les défis sont d'autant plus grands. Peut-être pour l'un d'entre vous, c'est 500 francs qui fait vraiment le gros défi de foi. Pour un autre, c'est 5 000. Pour un autre encore, selon ses responsabilités, c'est 50 000. Dieu a donné un don, 5 dons, 10 talents. Vous savez, la parabole des talents. Selon la foi,
selon tes compétences, selon ton niveau de capacité de gérer. Dieu t'a donné plus ou moins, mais dans tous les cas, la foi doit être exercée. Et la foi, ce n'est absolument pas une question de réponse instantanée. Et certainement que cette période de Covid nous enseigne véritablement à découvrir une dimension de foi inédite. Une dimension de foi inédite. Alors oui, Dieu guérit, Dieu restaure, et Dieu nous relève aussi en tant que centre de vie. Où allons-nous ? Une des choses que j'aimerais dire, c'est que une des choses que le Seigneur nous apprend, qu'on l'ait voulu ou non, c'est la simplicité. Je crois qu'il y a un retour à la simplicité qui est global. Une volonté du moins. Je ne suis pas sûr que ça marchera non plus, puis qu'on sera tous devenus tout simples. Mais quand même, il y a des activités, en l'occurrence, au centre de vie, qu'on ne va pas redémarrer s'il n'y a pas. Il y a une semaine, Claude s'approche de moi, et Cyril a dit, j'aimerais relancer le bar. Je dis, mais avec qui ? Ah, mais j'ai des gens et tout. Aujourd'hui, le bar est ouvert. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu Claude et une équipe, ce serait dans 6 mois, une année. Mais quand il y a les gens, quand Dieu donne, c'est ce que Martin Bulman nous dit souvent dans le coaching qu'on a avec lui, ou le mentoring plutôt, il nous dit régulièrement, Dieu va donner des personnes. Et quand Dieu ne donne pas, c'est que ce n'est pas le moment. On ne va pas être sous pression, on ne va pas pouvoir tout faire. On n'aura peut-être pas la même qualité de ce qu'on avait avant dans un domaine, mais on aura peut-être une autre qualité dans une autre. Deux disciples dans les évangiles s'approchent de Jésus, ou plutôt c'est par leur maman. C'est des disciples ambitieux. Et leur ambition, c'est que dans l'éternité, ils ont vraiment une belle perspective d'avenir, la certitude d'être sauvés, la certitude qu'il y a un après la vie sur terre, le royaume de Dieu, c'est d'être assis à droite et à gauche de Jésus. Pas sur la croix, hein, mais vraiment dans l'éternité. Et Jésus ne reproche pas l'ambition. Mais il leur explique quelle est la nature de la vraie grandeur. Et la nature de la vraie grandeur, c'est fondamentalement le service. C'est fondamentalement le service. Et si tu veux être grand, Jésus leur dit, commence par servir. Et ce n'est pas seulement pour nous humilier, nous briser, mais c'est parce qu'être serviteur, c'est vraiment la réelle grandeur. Amen. Je répète, être serviteur, c'est là la vraie grandeur. Et selon la grandeur intérieure du service, Dieu va me confier plus ou moins de responsabilités. Si dans ton cœur, quelque chose brûle pour faire la différence, c'est que ça vient de Dieu. Certainement. Mais quand Moïse, Joseph, David ont accédé à des positions de direction, ils n'ont pas servi moins, mais ils ont servi plus qu'avant. Et plus Dieu va te faire graduer, grandir, évoluer dans des responsabilités, plus tu vas être formé par Dieu pour être du même cœur que lui, c'est-à-dire serviteur. Et en fait, Jésus était ambitieux, n'est-ce pas ? Jésus était ambitieux. Il voulait sauver le monde. C'est quand même incroyable ambition. Sauver le monde, vraiment, ça c'est ambitieux. Il y a eu d'autres prophètes, il y a eu d'autres fondateurs de religions qui avaient un peu la même ambition de sauver le monde. Mais la question, c'est plus fondamentalement, quelle est la motivation ? L'amour est ambitieux. L'amour est ambitieux parce qu'il veut sauver des vies. Donc oui, si tu as le choix entre deux chirurgiens, tu as un chirurgien qui s'est contenté de survivre dans la vie. Je ne dirais pas qu'il est médiocre, mais à côté, tu as un chirurgien, il est hyper ambitieux. Il a été nommé professeur, il a des titres et tout. Puis tu as le choix, tu dois être opéré du cœur. Tu choisis celui qui est ambitieux ou celui qui est médiocre. Bon, franchement, la réponse, elle est vite donnée. Tu cherches la qualité. Donc, être ambitieux, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'on veut l'instantané. Le problème, c'est qu'on veut, on veut tout, tout de suite. Le problème, c'est une question profonde de motivation. Le centre de vie doit retrouver son ambition. Mais une ambition qui soit saine, qui soit juste, qui soit celle que le Seigneur nous donne. C'est légitime d'avoir une ambition. C'est légitime de vouloir être au service de la ville et de la région. Et plus on a prié ces derniers mois, plus on a cette conviction profonde qui a vraiment des valeurs fondamentales que Dieu nous a données, qui restent intactes, voire même plus fortes qu'avant. Par contre, je ne sais pas pour vous, ça c'est à chacun de savoir, mais pour moi, les motivations changent. Les motivations ont changé. C'est encore plus d'être au service. C'est encore moins pour une question d'apparence.
Est-ce qu'on cherche la qualité ou la quantité? La quantité ou la qualité? Jésus dira, c'est en portant beaucoup de fruits que vous me donnez gloire. C'est la qualité, c'est la quantité, c'est les deux. Des fruits de qualité en nombre. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, ça va de pair. Mais la motivation profonde, c'est ce que Dieu veut nous donner. Et puis j'aimerais encore souligner un aspect, ce qui m'a frappé ces derniers temps, aussi dans la réflexion qu'on avait ces jours aussi au niveau de l'équipe élargie par rapport à la notion même d'Église, c'est que dans les évangiles, dans les actes des apôtres et dans les épîtres, on a toujours une double réalité. Jésus, lorsqu'il enseigne, il enseigne à la foule, mais il a aussi les petits groupes. Il enseigne à la foule et des milliers se réunissent pour entendre ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et c'est des textes phares du Nouveau Testament, voire de la Bible tout entière. Puis en même temps, il prend des petits groupes parce qu'il vit d'autres choses avec ces petits groupes. Par exemple, les 12 disciples, par exemple, les 3 sur le mont de la Transfiguration, par exemple, les 70. Il y a différentes phases, n'est-ce pas? Il y a différents moments. Après, c'est encore plus flagrant dans les actes des apôtres parce qu'il y a 5000 personnes qui se convertissent. Et là, ils se réunissaient, acte 2, verset 42, au temple et dans les maisons. Au temple et dans les maisons. Il y avait la foule d'un côté, il y avait les maisons de l'autre. Aujourd'hui, on trouve des chrétiens, suite au Covid, mais aussi tout un processus intérieur, qui privilégient les petits groupes jusqu'à mépriser le rassemblement plus important. Et je crois que c'est une erreur. Mais pourquoi c'est une erreur? Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de ministère. Parce que dans ton petit groupe, tu n'as pas tous les ministères. Tu as à la fois mieux et moins. Mieux parce que tu peux partager de façon individuelle. On peut prier les uns pour les autres comme on ne peut pas forcément le faire ce matin. Faute de temps, du fait qu'on ne se connaît pas tous. Donc les petits groupes, c'est mieux. Ce n'est pas mieux, c'est différent. C'est un autre aspect de la vie chrétienne, ils se réunissaient dans le temple et dans les maisons. Et dans les maisons, on peut se réunir. Et c'est tellement fondamental pour prier les uns pour les autres. C'est ce que nous, on appelle au centre de vie les groupes Connect. Et je pense qu'ils sont appelés à évoluer. On est en train de réfléchir à des nouvelles formes, on aura l'occasion d'en reparler, à des formes complémentaires. Il y a une grande évolution qui peut se faire. Ce n'est pas figé. Mais il y a cette notion du plus petit groupe. Et vous avez d'autres personnes qui ne voient que... Et c'est souvent lié aussi à la culture d'origine, à la spiritualité d'origine, où on voit que la foule, le grand rassemblement, puis ça n'intéresse pas d'être dans un plus petit groupe parce qu'on n'a pas été habitué, enseigné, on n'a pas cette intention de partage. Alors on a les ministères qui s'expriment, on a les prédications, on a les dons spirituels globaux, mais on progresse moins dans la vie de disciple parce qu'on n'a pas l'endroit où on est confronté. Parce qu'ici ce matin... Il y a peu de confrontation. La seule chose que tu peux faire, c'est pardonner ton frère, ta sœur, l'un des pasteurs, l'un des responsables qui ne t'a pas salué ou pas reconnu derrière ton masque. Mais j'entends comme confrontation, c'est encore assez faible pour la sanctification. Mais dans un petit groupe, alors là, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus défiant. Et on a besoin des deux réalités. Dans les épîtres, on retrouve la même chose. Paul dira dans 1 Corinthiens 11, « N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Mais quand vous vous réunissez, attendez-vous les uns les autres pour prendre le repas du Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça suppose? C'est que les maisons ne sont pas l'Église. Mais par ailleurs, il dit aussi l'Église qui se réunit dans la maison de X ou Y. Donc ça peut tout à fait être dans une maison. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas par définition que l'Église doit être dans une maison. Elle peut l'être. Mais surtout quand il s'adresse aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe plutôt, aux chrétiens de Rome, c'est la foule. Et c'est les maisons. C'est le petit groupe et c'est la foule. Ce n'est pas l'un ou l'autre dans la pensée biblique. Après, il y a les temps et les saisons. Il y a des pays, il y a tellement peu de chrétiens encore que c'est forcément que des petits groupes. Mais quand on a le choix, parce que moi j'ai vu le danger de... J'ai rencontré des chrétiens, j'en connais pas mal, en Suisse romande, un groupe en Suisse allemande, église de maison. Ils s'entendent bien, c'est bien. Il me dit, ouais, ça fait 10 ans, mais ça ne se développe pas. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas les ministères qui provoquent le développement. Alors bien sûr, on peut aller écouter des ministères à une conférence, une conférence à droite, à gauche, mais c'est toujours soi-même qu'on décide. Donc c'est toujours un prolongement de soi-même. Vous m'avez suivi? Sur Internet, évidemment, il y a beaucoup de bonnes choses, mais c'est toujours une projection de soi-même au final. Je vais un peu vite, mais c'est...
Ce n'est pas la même dimension des ministères que Dieu donne à l'Église. Selon Éphésiens 4.11, Dieu a donné à l'Église des ministères pour former, enseigner les saints. Et ça, on en a besoin. Moi, j'en ai besoin. C'est pour ça que je veux faire partie d'un ensemble plus vaste. C'est pour ça que le centre de vie réfléchit aussi à son appartenance à une fédération d'Église. C'est toujours un processus qui est en cours suite à ce qui s'est passé. Mais c'est important. On ne veut pas être isolé. Parce qu'on a besoin d'un ensemble plus grand. Mais à l'inverse, j'ai besoin aussi de savoir quel est mon groupe Connect. Quelles sont les personnes qui me connaissent et qui osent voir dans ma vie et me contester et me dire, là, tu dérives, là, ceci, là, cela. Alors, j'ai mes enfants, c'est déjà une belle partie. Mais ce n'est pas le rôle, c'est spontané. Mais qui sont les personnes qui osent parler sur ma vie, qui osent m'encourager, qui osent me dire des choses? J'en ai vraiment. Et c'est vraiment précieux et c'est vraiment important. Et c'est ça qui m'a aussi permis dans les temps difficiles d'être fort, d'aller loin, de tenir, de progresser et de grandir. Vous comprenez cette double réalité? Alors si je résume, par rapport à l'Église à venir, cette Église que Jérémie voit se restaurer, cette Église représentée par la ville de Jérusalem, Dieu veut la restaurer. Premièrement, il y a une promesse de guérison. Amen. La guérison, elle touche à tous les domaines de nos vies. Deuxièmement, Jérémie dit, je pardonne. Je pardonne et je purifie. C'est-à-dire qu'il y a une transformation profonde sur nos motivations. Nous, on imagine la purification, j'étais fumeur, j'arrête de fumer. Bon, soit, ça c'est bien, mais c'est souvent pas aussi simple. Les processus intérieurs dans lesquels je suis aujourd'hui, ils sont plus complexes, ils sont plus défiants, ils sont plus réels. La purification de Dieu, elle prend du temps. C'est pas quelque chose de tellement mystérieux, c'est un travail aussi où le Saint-Esprit agit en nous petit à petit et principalement à travers des frères et sœurs qui nous connaissent. C'est la clé pour nous faire progresser. C'est la clé du Seigneur pour faire progresser Olivier Favre. Ce n'est pas possible autrement. Et plus j'ai des personnes proches, plus j'avancerai. Et plus j'avancerai, plus je serai uni. Et plus je serai uni, plus je serai dans l'onction de Dieu. On ne peut pas être dans l'onction de Dieu à terme sans être confronté à des personnes qui nous connaissent et qui nous changent. Et c'est un processus qui défie, qui n'est pas facile. Mais Dieu le fait. Et Dieu agit. Et comme je l'ai dit, la foi aussi fait partie du projet de Dieu pour le centre de vie. Alors j'aimerais nous encourager ce matin dans cette dimension de foi, dans cette dimension ambitieuse, dans cette motivation profonde du service, parce que Dieu veut faire des grandes choses. Je ne sais pas lesquelles, aucune idée, peu importe. Mais on veut être prêt pour la mission que Dieu nous donne. Souvent on nous dit, si l'Église, ton Église n'existait pas, est-ce que ça ferait une différence pour la ville où tu es? La réponse, elle est oui. Et je le sais, sans aucun doute possible. S'il n'y avait pas le centre de vie, c'est des dizaines de personnes qui n'auraient pas trouvé le Seigneur, c'est des centaines d'autres qui n'auraient pas été aidées, c'est des services qu'on n'aurait pas pu créer dans le domaine social, par exemple, mentionnant les cours de langue ou d'autres choses. C'est des services qui n'auraient pas pu naître, des couples qui n'auraient pas été réconciliés, des réponses qu'on n'aurait pas pu donner. Et il y avait une parole prophétique d'Aladia dimanche dernier qui disait, mais vraiment forte, Il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui souffrent. Et nous qui avons souffert, qui avons rencontré Jésus, c'est maintenant notre tour d'être disponible pour ceux qui souffrent. Et ça, on peut le faire parce qu'on est une équipe importante. On peut le faire parce qu'on est un certain nombre. On a une certaine force que Dieu nous donne. Alors on veut être vraiment ce peuple, amen, qui continue à se lever, qui continue à être enthousiaste pour Dieu, qui continue à être exaucé instantanément ou pas instantanément, mais qui continue à être dans la foi de la dimension que Dieu nous donne, qui continue à être transformé, c'est-à-dire purifié, sanctifié dans le Nouveau Testament. En réalité, on dirait aujourd'hui transformé de l'intérieur, dans notre vie intérieure, transformé pour la gloire de Dieu, qui continue à être ambitieux, à voir des grandes choses, vouloir des grandes choses pour le royaume de Dieu, et puis en même temps, dans la motivation que Dieu veut nous donner, qui soit saine, qui continue à avoir l'espérance que Dieu va remplir de foi, va remplir d'espérance, va remplir d'amour le centre de vie, va nous remplir de plus de ce qui nous manque. De plus d'intimité, de plus d'amour, de plus d'accueil, mais aussi de plus d'enseignement de qualité, de plus d'onction du Saint-Esprit dans les dons spirituels. On reste dans cette dimension que Dieu veut nous donner. Moi, ça m'encourage vraiment. Alors, on veut aller vraiment de l'avant. Amen.